retourné à un moment rapide n'a pas rappelé Donc comme nous dit un peu et donc va partager ensemble avec vous. Et de 1961 à nos jours, nous on est côté drapeau américain qui descend à la Cuba et bien samedi et après 54 ans, et bien retournés avec le drapeau qui est retourné monter puis il revient relations diplomatiques, eh bien, qu'il y a une eh, sorte de planification qui a été faite pour que les capables de voyager entre sortir dans pays Alors nous souhaitons bonne chance pour Paysa. et nous connaissons déjà les disciplines, les marches match qui doit. Nous souhaitons souhaité que y aucun pour que il grandi, même dans toute l'autre monde. Alors et en pile, euh, nous sommes capables de partager ensemble avec vous euh, 75 ans depuis. Eh bien, les Américains ont un problème entre le Japon et les Américains. Les Américains sont dans la zone Hiroshima, ils ont gagné une bombe que les voyé jusqu'à présent, On avons qui ça produit. Une zone ça pas capable de construire, de gagner, de vie. Alors, ça fait exactement 75 ans depuis, ça a fait son victoire quand même. Et les Japonais ont réellement ah, saisi jusqu'à présent, ils qui genre ça fait. Est-ce ça a détruit la zone ça Alors, nous pensons que tout événement ça est bon, ou même pour comprendre, pour tenter qui gens ça fait. Et puis, nous voulons fort connaître que ça fait nous 100 ans depuis que l'Américain lui-même était envahi nous en 27 juillet. Et nous penser que avons un bel rallye que Charles-Lucien a fait sous ça. Et tout ça événement qui est en marqué, en pile dans nos mêmes qui peuples. Alors, je dis à nous de chance pour nous parler avec, inviter nous. Euh, Madame eh, Désir Désiré, et puis eh, nous avons plancher à côté, nous parler un peu de un pile travail qui a fait en deux communautés. bonsoir, bienvenue sur TéléCréole. Bonsoir. C'est ça. Um, nous gagné un pile de problèmes qui a passé entre euh, Haïti, eh, nous paradis paradis, le pays, a, mais le eh, peuple haïtien a subi eh, avec le gouvernement dominicain son crise qui est réellement due parlez-nous un peu, qui j'en sais à moment, parce que nous avons un travail, une un bataille qui a fait pour ça. Mm -hmm. Et certainement, premièrement, on a remercié télé pour le fait que ont accepté nous, venir avoir information davantage sur ce qui a passé dans ce domaine. On félicite tout Mme Plancher qui réellement mobilisé sur question de la crise mm -hmm. haïtienne-dominicaine. Et ça passe, c'est que gaye une situation qui commençait depuis 2013 côté euh, gouvernement mm -hmm. dominicain sorti mm -hmm. avec une loi qui 168 168 la 168-13 168-13 là c'est une loi qui mettait de haut pour faire deux bagailles, déporter haïtiens sans mm -hmm. papier avec dénationaliser dominicains d'origine haïtienne c'est si tellement bien y qui fait une fête sur les question internationalement parlant, uh -huh. Yo est avec une deuxième loi. Deuxième loi, c'est 169-14 pour yo yo les si il y a un sorte de temps pour que les gens ranger les papiers. Okay. Mais la situation était gravement grave. Gravement grave, nous n'avons pas eu le temps, mais nous sommes allés dans Saint-Domingue, nous avons rencontré avec plusieurs organisations, nous avons rencontré avec des individus qui victimisaient qui fait face avec problème ça et me souhaiter nous nou une chance uh -huh. pour nous retourner encore pour nous bailler information non l'autre niveau parce que monde des de une crise mais yo pas comprendre qui uh -huh. la crise là commencé ça fait journée aujourd'hui nous une grosse crise ça et qui est-ce qui complice pour et un paquet de complots sur mm -hmm, deux mm -hmm. haïtiens qui sont les migrants, sous Dominicains d'origine Haïti. Mais mm -hmm. bref, ça n'a pas dit. Joune aujourd'hui, situation gravement grave, côté M. Manuel Dambré, qui est un avocat qui a commencé avec premier cas de dénationalisation, attaquer. attaqué, okay. pas renou, renouvelé et passe et semblait que non pas sous livre 6. Après la loi 169-14, ça a décidé pour le faire. Ils ont continué en, en parlant du gouvernement dominicain. Ils mm -hmm. ont retiré nos haïtiens, ils ont mis sous régis. Pour continuer, mm -hmm. Mm -hmm. et dans ce processus, là, il y a grand pile monde qui fait dans le pays qui pas entré dans le livre ça. Mm -hmm. Mm -hmm. Alors, c'est comme ça, il y a dit, monsieur avocat d'Ambre, qui est ancien et militant, qui a trois diplômes, qui est professeur dans le pays, qui est avocat, mm -hmm. ensuite, qui est ouais. Mais pour l'essentiel, c'est que le fait que route pour retirer nationalité dominicaine, tout petit citoyen, jeunes gens qui a été victimisé. Et y en des gens qui parler. fait, pour que problème gravement grave. Et nous connaissons une mobilisation un peu partout dans Boston, mm -hmm. mais il faut nous faire une mobilisation davantage et il autre action qui nous l'autre une lot d'actions pour si nous sommes capables de trouver une solution à un problème. Moun cap entré pour une acheter information to pour it from de la mouth. Ça, ça veut dire que c'est lui-même qui a la situation okay. de, de tous les jours. Mm -hmm. C'est petit monsieur. Avocat nous dit qu'il était sous premier cas de mm -hmm. na, dénationalisation. Mm -hmm. hein? C'est petit qui est les Solange Manuela Dambre Pierre. Mm -hmm. Alors, Solange Manuela, c'est petite Sonia Pierre. Mm -hmm. Sonia Pierre, c'est une dame qui était dans toute ville pour cause haïtienne, injustice haïtienne subie dans le pays dominicain. Depuis l'âge de 13 ans, elle était morte en 2011. Je ne dis au patron de Sonia, mais le travail à continuer. Alors, c'est dans ce contexte, nous jouons l'occasion pour Mme Manuela. Qui ont une jeune dame, mm -hmm. entrer pour le bail, d'informations pour voir qui quelle façon nous sommes capables d'organiser davantage pour nous poser action, pour nous vérifier qui y a gouvernement américain, qui y d'autres instances mm -hmm. internationales pour faire le nécessaire pour nous jeunes solutions solution à e, ce problème. Est-ce uh, l'autre invité en dehors de Mme euh, Manuela? Il y a bien l'autre monde dans la communauté, mm -hmm. mais pour l'essentiel, c'est que nous voulons, ouais, est-ce que nous avons une situation côté que les gens comprennent ce qui s'est passé? Parce que si tellement nous répétons le problème gravement grave, mm -hmm. nous pensons que c'est tout haïtien. Okay. Tout haïtien qui est supposé mettre dehors, voilà. euh, oui. <laughs> <laughs> et nous avons une date qui ça. La fête et puis qui est faite et qui le la, la fête, dans, si c'est Boston ou bien l'autre côté. Bon, le forum dans son forum communautaire qui a fait dimanche, là, dimanche 23 août, mm. la fait dans le local Kaipam. Kaipam, situé dans 6 Livingstone Street dans Dorchester. 6 Livingstone Street dans Dorchester. Et on a commencé à 5 heures, et on pour 8 heures. OK. Uh, bon, et... C'est dimanche qu'on va là. C'est ça. Invitation faite pour n'importe qui, on ne venir. Tout le monde. Et surtout les jeunes. Voilà. Nos besoins jeunes viennent en foule, viennent en masse. Madame Yolande, nous tarimés font-ils parler un peu d'invitation ça, de donations, familles, qui gens ça pas le fait, par contre si c'est une organisation quand même, nous avons un peu d'explications. Um, nous remercions les créoles d'abord pour l'invitation hein, et vous-même pour parler avec nous. Nous-mêmes, nous, nous avons une organisation, nous avons Haitian Youth Connection avec mm -hmm. les Maya Project Hope qui mettait avec quelques autres organisations dans la communauté, là-dedans, hein, là, nous avons Association des Femmes Haïtiennes à Boston pour nous capables, ouais qui je nous capables l'évier même quand tout

le nous fait par notal saint domingue en pile organisation qui fait nous connaît que yo pas gagné pour nous. baillon yo parfois même dlo yo pas gagné pour nous. alors nous te jugé bon nous dit le re nous, nous rentrer ici nous avons fait on drive pour nous ramasser manger rade um, tout ça on nous, nous, nous nous, capable de nous granny capable aider nous voyer au ba organisation ça et puis, l'organisation a fait distribution. Okay. Et il même organisation qui m'a demandé, « leur nous avoué il faut qu'il y ait des gens qui sortent ici pour qu'il mm -hmm. gens qui font la distribution. » Est-ce que c'est des gens d'organisations paléas qui c'est en Haïti ou du moins en République dominicaine En Haïti. En Haïti, il okay. y, a, mais y de concert avec la République dominicaine parce mm -hmm. que l'organisation nous a contactés. Ils ont un travail longtemps okay. et ils travaillent ensemble avec Moon et Cap sorti dans Bordeaux. Ça veut dire que um, euh, qui a fait ça. A fait On n'a fait le fonds de fonds de fait du moins. Est-ce que et si mm -hmm. il y a des gens qui pour faire des est-ce que y a une possibilité pour faire ça fait dimanche 23 Oui, certainement. Et m'a tout ajouté. Nous sommes -hmm. passés dans trois frontières. en mm -hmm. frontière en Haïti. Nous sommes Haïti avant d'aller à Saint-Domingue. Okay. Et justement, nous sommes entrés dans de mauvaises conditions. Nous n'avons presque pas gagné rien du tout. Et nou mèm te pale avèk moun bureau ofis uh, de la migrasyon okay. e yo te di mèm dlo, yo bagase dlo pou bay okay. moun yo okay. alòk se yon situasyon terib moun yo bezon kout mè nou panse gen dè posibilite pou, pou dimans 23 oud mm -hmm. premièman gen yon posibilite pou moun bay kontribisyon avèk sanwele e uh, furnitur klasik mm -hmm. e bagase moun yo bezon pou l'ekol pasè okay. mouda Et Sonia Pierre, tu fondé une organisation qui est les Mouda. Il mm -hmm. y a plusieurs, excusez, une organisation qui est les Mouda, mais dans le projet Mouda, l'école, okay. comme nous connais. connaissons, c'est le monde qui pas assisté dans mm -hmm. ce domaine, pas qu'à l'école. Okay. Okay. Mouda ont l'école qui, qui, qui a plus que 200 personnes là où ils arrivent juste dans la quatrième mm -hmm. année mm -hmm. et ils ont besoin de tout alors, c'est dans le contexte, nous avons dit que gens qui ont qui sont intéressés par chercher des plumes, des crayons, des cahiers, mm -hmm. etc. Paris. Et si vous êtes capable de venir avec tout les choses, dans ce là nous tout fait, malade, paille, d'abord pour l'aller. Mais oh, l'autre possibilité, c'est de venir avec diverses qualités de besoin pour les gens qui déjà mm -hmm. traversé les frontières et qui en Haïti dans une situation terrible. Ok. Mm -hmm. Essayez ce by une adresse eh, qui est plus facile, côté, si toutefois le monde a besoin de joindre ensemble avec vous, pour euh, donner ça à eux, pour qu'ils Qui est qui côté qui est plus facile? Nous avons mm trois -hmm. adresses, nous les mm -hmm. dans, dans la feuille. Mm -hmm. mm -hmm. C'est 524, à River Street, à Marapen, qui mm -hmm. est l'office Bell Top Services. Okay. Et mm -hmm. puis, dans le même building, nous avons mm -hmm. mm -hmm. 526, qui est en bas, dans l'autre business qui est en bas. Et puis, nous gagnons 11 qui sont dans Wasendell, 4197 Washington Street, Wasendell. Ok, c'est une possibilité qui t'a sous même si dans une belle vie. L'hypothèse est Uh, directeur Osval Junior Mengouala, juste fait nous jouer. Oui, il uh, passe dans Afab, AFAB pas pour si bien faire nous jouer. Ok. vous mm -hmm. tout si tout le monde a besoin pour contact avec nous. Le téléphone c'est 617-237-6885 ou 617-257-6443. Ok. okay. Pour... Et pour l'activité pour dimanche 23 août, dans CAIPAM, nous guidoir les bureau associations formés ici à Boston AFAB dans 617 287 0096. Nous guidoir les personnellement tout numéro portable c'est 617 947 4279. Voilà nous toutes nous invités pour nous supporter que c'est action tout le monde et puisque nous en déroute avec ce uh, frein que il a poussé dans et uh, Saint Domingue. Alors je remercie merci à Mme Karine et à Mme Irlande et la télévision en CEPAN. Nous sommes capables de continuer travail là, surtout dans la radio, tout ça, pour que nous ayons sensibilité pour dimanche 23 Kaïpab. Retez branché sur Télé-Créole. Nous parlons de petite pause. Nous avons